Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va tester un écran LCD I2C avec notre carte STM32. Donc, on avait déjà utilisé notre afficheur LCD I2C avec notre carte Arduino. Cette fois-ci, on va l'utiliser avec notre carte STM32. Donc, vous allez voir que c'est super simple à utiliser. On a juste besoin de 4 câbles, 2 pour l'alimentation et 2 pour la communication en I2C. Donc la communication en I2C, il y en a un qui envoie et l'autre qui reçoit. Il y en a un, c'est le maître, l'autre l'esclave. Donc je vais rapidement passer au câblage, vous allez voir, c'est très très simple. Le seul inconvénient de cet écran, c'est qu'il doit fonctionner en 5 volts et non en 3,3 volts. Donc vous devez bien veiller à ce que votre carte STM32 soit alimentée en 5 volts. Donc par exemple ce port USB, au lieu de 3,3 volts, il se peut qu'il ne fonctionne pas en 3,3 volts. Donc d'abord, le ground qui est tout en haut, dans mon cas, je vais le relier à la masse. Donc je relie à la masse, c'est pas très compliqué. Ensuite, j'aurai besoin du VCC. Donc le VCC, là, dans notre cas, ça va être 5 volts, puisque en 3,3 volts, il se peut que ça ne fonctionne pas. Mais j'essaierai quand même de. Je vais essayer aussi en 3,3 volts. Normalement, on ne craint pas grand chose. Bien sûr, le câblage il sera disponible sur mon GitHub, tout comme le programme. Ensuite, la pin SDA va être reliée à la pin PA6, PB6. Il faut juste que je vérifie. Donc, oui, SDA vient bel et bien à la pin PB6. Et. Nous aurons besoin de la pie du câble SCL qui viendra se relier sur la pin PB7. Donc vous voyez, le câblage est super simple. Donc maintenant, on va pouvoir passer au programme. Donc maintenant, on va passer au programme. Niveau programme, c'est pas très compliqué, mais juste avant de passer au programme, je vais vous dire que j'ai fait un test et qu'en 3,3 volts, ça ne fonctionnera pas. Donc vous aurez besoin de 5 volts. Donc vous serez obligé de passer par le port USB. Ou bien par du 5 volts, mais vous ne pourrez pas utiliser le 3,3 volts que nous délivre le ST-Link. Donc, il y a aussi, j'ai su que le SCL devait se brancher sur le PB6 et SDA sur le port PB7. Donc, vérifie bien que le câblage soit cohérent. Bien sûr, maintenant le câblage sera disponible dans GitHub, tout comme le programme. Donc, niveau programme, on inclut la librairie wire.h liquid crystal I2C. Donc ça sera libéré pour pouvoir utiliser notre I2C et notre écran. Donc ensuite, on va initialiser LCD avec l'adresse 0x27. C'est soit 0x27, soit 0x3f. Donc essayez les deux. Si on a un qui ne fonctionne pas, l'autre devrait fonctionner normalement. Et 16 caractères et 2 lignes. Sinon, il existe aussi des écrans 20 caractères, 4 lignes. Donc on va initialiser notre LCD, si ça ne fonctionne pas, essayez lcd.init. Ensuite on va allumer la lumière du fond, le backlight. Moi je vais faire écrire électrocodeur, mais vous pouvez bien faire écrire autre chose. Donc je vais connecter ma carte au ST-Link. Vous voyez que là ça ne fonctionne pas. Et si vous voyez que c'est trop peu lumineux ou pas, ou au contraire beaucoup trop, ici il y a un potentiomètre que vous pouvez régler et ensuite vous aurez de meilleurs résultats normalement. Donc vous choisissez la bonne carte, le bon variant, la méthode d'envoi et on peut envoyer normalement. Donc moi ça a envoyé avec mon ST-Link, mais c'est pas censé fonctionner parce que là je me suis connecté à la pin du 5 volts, mais on sait bien que notre ST-Link vient de délivrer que du 3,3 volts. Donc le transfert de programme doit bientôt se terminer. Là, ça met waiting for TDY de vis. On va attendre que ce qui se trouve ici, là, la barre, elle disparaisse. Ça ne devrait pas durer. Donc, ça a terminé. Donc, je vais connecter. Donc, on arrive à lire. Je vais essayer de rapprocher pour qu'on puisse mieux lire. Il y a un petit suivi. Je sais que, comme toujours, mes câbles, ils bug. Non, si vous regardez bien, on arrive à lire électrocodeur. Électrocodeur, on arrive à lire. Après, vous pouvez écrire autre chose si vous voulez. Moi, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!